Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui donc sur Thomson et Mo 5 pour la présentation de ce jeu Cristan. Alors avant de faire cette présentation, et pourquoi je fais ça? Parce que j'avais prévu autre chose, j'avais fait donc un jeu pour Noël avec un petit Père Noël, etc. Et au moment du test du jeu, il était alors pas il était infinissable. Était beaucoup trop dur et donc j'ai abandonné l'idée. Donc bon, je vous explique un petit peu. Hein, j'avais fait un petit jeu avec le Père Noël, donc sur trois challenges. Donc le premier c'était une descente en ski après la récupération des cadeaux et distribution de cadeaux. Sauf que rien que le premier niveau de la descente en ski, il aurait fallu que je pour éviter les sapins de Noël et les piquets, etc. Ça faisait trop serré, donc il aurait fallu que je modifie, etc. Et comme je n'ai pas forcément le temps, j'ai préféré abandonner et présenter ma foi ce petit jeu qui était très sympathique, qui est Cristan et qui n'est pas trop connu. Je m'en souviens plus beaucoup. Hein. Je l'ai fait il y a très longtemps, mais je m'en souviens pas tellement. Donc ça va être une redécouverte en même temps. Avant tout ça, comme la vidéo précédente, j'aimerais vous trouver, enfin vous allez pouvoir trouver en lien de cette vidéo, vous allez trouver des liens pour des chaînes qui pourraient vous intéresser. Donc on va commencer avec la chaîne de Cyril PS1.0, qui est sur la PlayStation, qui est sympathique, il est très sympa, ses vidéos sont. Franchement, ça se regarde bien. Il est toujours de bonne humeur, toujours souriant, etc. Et c'est plaisant. Pour ceux qui aiment aussi, qui aiment toujours, enfin, qui aiment la PlayStation, hein, on change un peu, on ne fait pas que du 8 bits. Il y a Retro Timeless PlayStation, une chaîne vraiment sympathique, pas mal de contenu. Allez visiter. De toute façon, vous trouvez le lien de cette vidéo, enfin de cette chaîne dans cette vidéo. Il va y avoir aussi, pour ceux qui aiment la programmation, et cette fois-ci sur les ordinateurs 8 bits, il y a V Retro Computing, qui est vraiment excellent. Tout est bien expliqué, etc. Il traite sur l'Atari ST, l'Amiga, l'Amiga 500, etc., etc. Allez voir, c'est vraiment intéressant. Très intéressant même. Et bien sûr, en dernier, enfin pour la dernière chaîne que je présenterai, que je mettrai en lien, c'est Commodore 64 Mania. Que je suis depuis très très longtemps maintenant, enfin je pense pratiquement depuis le début. Alors je pense qu'il va y avoir une vidéo d'ici peu parce que généralement il nous fait toujours une petite compile avec des jeux à télécharger pour le Commodore 64. Toujours très intéressant lui aussi, plein de bonne humeur, etc. C'est vraiment vraiment ces vidéos sont vraiment très très bien. Alors allez-y, hein, n'hésitez pas, c'est le petit cadeau de Noël, on va dire. Bon, on va commencer donc ce petit jeu. Donc, c'est un jeu qui est sorti en 1985. Donc l'éditeur c'est Novasoft, comme vous voyez ici. Donc on ne voit pas très bien, mais c'est bien Novasoft. Donc c'est sorti en 85. Alors qu'est-ce que nous devons faire dans Cristan? Alors je vais vous lire un peu ce qui est écrit. Sur les documents, donc c'est prépare-toi au pire, Cristan, car tu as décidé de ramener la pierre précieuse, statuette de jade, bon, qui est cachée dans le donjon de diamants. Ta folle aventure t'entraînera à travers 60 salles, sur d'innombrables échelles, des cordes suspendues, des chutes interminables qui s'achèveront peut-être sur un des nombreux pics ensanglantés qui parsèment le donjon. Il te faudra même plonger dans les eaux bouillantes de la rivière souterraine. Tu lutteras contre les immondes médusoïdes, creuseras des blocs de pierre, mais éviteras-tu les trappes cachées. Courage, la victoire t'attend. Bon, on va s'amuser à le faire un petit peu quand même, hein. Histoire, allez, c'est parti. Donc, on utilise le joystick. Voilà, donc là on peut bouger à droite, à gauche. Donc on va monter. Hop, on va prendre cette échelle-là.
Mais vraiment un petit jeu sympathique. Vous pouvez le faire hein, sur l'émulateur. Moi, je le fais avec l'USD Drive. Ouais, il me semble que j'étais descendu ici. Alors, les ressorts, on peut les utiliser. Vous voyez, on en a deux. Ça nous permet de sauter beaucoup plus haut. Mais je pense que les gens qui sont sur la chaîne connaissent très bien connaissent ce jeu. J'aime bien son petit sourire. On va les récupérer. Le ressort, c'est toujours ça de pris. On va descendre ici. D'accord. Donc les méduses, elles sont là. On va les laisser où elles sont. Hein. Hop. On récupère ça. Ici, on ne peut pas passer. Forcément, c'est fermé. Donc j'ai bien fait de descendre par ici, hein, finalement. Hein. Alors, on va utiliser le ressort pour essayer de remonter sans se faire mal. Ok. J'ai bien peur que ça soit un petit peu trop haut. On va aller par là, hein. Non, creuse pas. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir quand on... Voilà. C'est punitif. On meurt directement. Allez, bon, cette fois-ci on va aller de ce sens-là. On aurait dû commencer par ça. Hein. On va récupérer. Ah. Je me suis planté et du coup j'ai plus de ressort et du coup je suis foutu. Ça va être compliqué. Bon, bah écoutez, je suis vraiment pas bon du tout. Ça va me demander du temps. Et bah écoutez, sur cet échec, on va dire, de test, je vais vous souhaiter à tous un joyeux Noël. On se retrouve très vite. Pour l'année prochaine, on fera un petit peu différemment. Du coup, je ferai des projets de jeux, de logiciels, etc., qu'on peut décider ensemble. Et puis, parce que du coup, j'aimerais bien qu'on voie étape par étape, par exemple, la création d'un projet, faire les algorithmes, etc. On pourrait faire peu importe le projet, on s'en fiche hein, finalement. C'est vraiment pour voir comment on met en place, comment on crée le code, pour faire la programmation et tout, etc. Même si ça doit se faire allez, en 2-3 épisodes, parce que je ne veux pas faire non plus des vidéos trop longues. Mais je pense que ça sera intéressant de voir comment ça fonctionne. Enfin voilà, bah écoutez, encore une fois, je vous souhaite un très joyeux Noël à tous. Portez-vous bien. Et puis on se dit à très bientôt. Allez, au revoir.